Je vais vous présenter les 4 nouveaux renforts sur Fortnite. Alors le premier renfort que je vais vous présenter, c'est maîtrise des clés. Donc ce renfort va vous donner 2 clés qui va vous permettre d'ouvrir des holocoffres. Alors il faut savoir que pendant l'événement Most Wanted, les holocoffres exotiques peuvent vous donner des armes exotiques de casse. Donc ça peut être très utile si vous êtes à côté des holocoffres pour obtenir une meilleure arme. Ensuite, le prochain renfort, c'est dernier tir. Cet atout vous permet d'augmenter les dégâts des 2 dernières balles de votre chargeur avec un pistolet. Alors je ne sais pas si ça fonctionne avec un pistolet mitrailleur, parce que c'était difficile de tester, mais en tous les cas avec les pistolets ça marche. Et ça donne plus ou moins 30% de dégâts supplémentaires pour les 2 dernières balles uniquement. Ensuite, il y a le renfort surplus de sniper. Alors ce renfort vous donne une cartouche supplémentaire à tous vos fusils sniper. Donc par contre, ça ne fonctionne pas avec les fusils tireurs d'élite, parce qu'ils ne considèrent pas ça comme un sniper. Donc c'est vraiment avec les snipers lourds ou les snipers explosifs. Donc si vous avez un sniper sur vous, n'hésitez pas à utiliser ce renfort. Il faut savoir que ce renfort sera disponible que pendant 2 semaines. Parce qu'à mon avis, dans 2 semaines, les snipers lourds et les snipers explosifs ne seront plus disponibles sur Fortnite. Donc profitez-en avant qu'ils les enlèvent. Et le dernier renfort est bonne pioche exotique. Alors ce renfort est le meilleur des 4, je trouve, parce qu'il va vous donner aléatoirement une arme exotique de casse. Donc c'est les nouvelles armes de Most Wanted qui sont super cheatées. Après, j'ai quand même galéré à obtenir ce renfort, donc je pense qu'il est très rare. Et ce renfort aussi sera disponible jusqu'à la prochaine mise à jour 23.50. Parce qu'après, les armes de casse vont sûrement disparaître. Code créateur SCM.